Et salut à tous, c'est Steph, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière sur FIFA 15 avec Atlantone, la carrière de manager. Et aujourd'hui on va s'attaquer au match aller de nos deux matchs contre Benfica. Un match aller donc on va jouer à l'extérieur en premier. Il va falloir aller chercher la victoire à l'extérieur face à Benfica avec cette équipe là. Voilà l'équipe qu'on est allé chercher, qu'on est allé recruter par-ci par-là, sans acheter du tout. Donc on va se lancer dans ce match aller qui va être assez déterminant, quoique non, c'est tout bénef pour nous. Si on devait marquer des buts, c'est que du bénéfice. Après, c'est tenir à la baraque qui est un peu plus compliqué, mais donc on va jouer comme ça. Je pourrais mettre Fofana à la place de Florenzi, mais je vais pas le faire. Parce que j'ai envie de garder au moins deux joueurs de mon effectif de base. Parce qu'il ne faut pas non plus les coller. Non, en tout cas, il a quand même fait une équipe. Peut-être pas pour jouer la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Mais au moins, allez, pour jouer une petite Europa League. Peut-être. Mais c'est toujours mieux que ce que j'avais avant. Donc, sur ça, on est toujours dans du plus. Donc, on joue à Benfica. Au Portugal. On joue au Portugal en Ligue des Champions, 8e de finale, allez. Et ça va faire mal, je le sens bien. Il est fort probable qu'on prenne une grosse claque, comme pour le match retour. Donc on va essayer de se méfier un maximum de cette équipe de Benfica, qui va sûrement très très bien jouer. Et va-t-on essayer de jouer mieux qu'eux? Non, c'est quoi cette passe? Tu crois vraiment que Yezil il peut récupérer le ballon quand tu fais une passe comme ça? Tu crois vraiment que le type il. C'était pas mal, c'était pas mal. Ça partait pas du tout vers là où je le voulais, mais c'était pas mal. On va faire le vieux coup de l'appel du deuxième joueur. Prends pas le ballon en passant, garçon. Allez, Nathan Aké, Abner la frappe. La frappe. Abner la frappe. Il n'a pas pris du bon angle. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris du bon angle. Bon, même si on se devait être éliminé contre Benfica, honnêtement, déjà, ce serait pas une surprise. Et ensuite, ce serait pas non plus trop trop grave, hein. Ça va quand même. Ça va quand même, on a fait quand même quelque chose de gros avec cette équipe, de toute petite équipe. La frappe et le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score, le but à l'extérieur. Le but à l'extérieur. Il était beau cet appel. Il était beau, c'est qui marque? C'est qui marque? Maintenant ton nom. C'est quoi ton nom? C'est qui? Florenzi qui marque. Hey, j'ai bien fait de le laisser sur la pelouse. Le garçon, regardez-moi cet appel monstrueux. En pleine défense, le petit contrôle. Qui va bien se préférer contrôler, pas frapper directement. Et la grosse patate. Voilà, la grosse patate. La patate, quoi. La patate. Et le gardien est battu. Ça fait 1-0 pour Aslanton. Ici au Portugal. C'est totalement n'importe quoi. Le petit poussé de la compétition qui mène face à Benfica. Ça serait con qu'on gagne la Ligue des Champions. Ça serait vraiment très très con, mais ça n'arrivera pas. Bien joué, Nathan Aké. Bien joué. Allez, c'est ça que je veux voir, les enfants. Hop là. Oh non, tu mets pas carton là. Wow, c'est sévère. C'est sévère mettre un carton là. Je suis sûr que la faute n'est pas si grosse que ça. En plus, j'ai voulu tacler vers le ballon. Ouais, moi, je lui écrase un petit peu le pied en passant, mais avec le bras, c'est pas avec le pied, donc c'est moins dangereux. J'ai des circonstances atténuantes. Hop là. Allez, viens chercher Nardi. Bien joué, garçon. Bien joué. Enlève ta flèche vers le bas, garçon.
J'ai pas dit qu'on joue en offensif, les garçons. C'est pas la peine de tous se planquer devant là. Surtout si c'est pour pas monter quand j'ai le ballon. Allez les gars! Allez les gars! Oh le ballon, il est un peu trop long. Dommage. 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 Il était quand même bien lancé. Les défenseurs, ils avaient pas suivi. Sandro, il avait suivi. Mais c'était un petit pas court. Allez, on va essayer de pas se faire prendre. Bien joué, Florenzi! Bien joué, Florenzi! Allez! Ah non! Dommage. Dommage qu'elle soit un petit peu trop longue, celle-là. Hop là. Dommage qu'elle soit un tout petit peu trop longue, celle-là. Allez! Faut défendre sérieusement. Il faut que tout le monde soit concerné dans ce match. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Donc, il y a corner, c'est dangereux. Mais... bien joué, c'est bien défendu ça. Comment ça, avantage? Oh non, monsieur l'arbitre, il donne un avantage là. Alors que j'ai même pas touché un joueur. J'ai même pas touché un joueur de Benfica quoi. Ça, c'est abus ça. Ça, c'est de l'abus ça quand tu vois les trucs comme ça quoi. Tu touches même pas les joueurs direct, l'arbitre il te fout un avantage. En plus, en plein. Dans un match de, tu sais, d'élimination directe de Ligue des Champions, placé comme ça juste devant la défense, enfin juste devant la surface, pardon. C'est de l'abus, c'est de l'abus, surtout quand il n'y a rien du tout, quoi. Bien joué, c'est bien joué. Elle passe en retraite, c'est sublime. Bravo. Bravo, Abner. Bien joué, ça. Bien joué, ça. Bien joué, Florenzi. Florenzi, la frappe. Oh, c'était joli. C'était joli. Il est allé jusqu'au bout. De toute façon, j'ai pas le choix, il n'y a plus personne. Il y avait personne qui avait suivi. Mais Florenzi, c'était cadré en plus. Cadré premier poteau. Merde. Bel arrêt de Julio César. Il n'est pas en jeu. Florenzi, le centre. Pour la tête. Non. Abner. Abner, là. C'est contré. Non, même pas. Comment il a pu tirer un truc comme ça sans que ça soit contré, quoi. Garçon. Bon. Bientôt à la mi-temps. On est à la mi-temps et on est en train de mener 1-0 sur la pelouse du Benfica. Ça ne veut absolument rien dire hein, parce qu'on peut bien entendu prendre une grosse cartouche à la maison. C'est pas comme si on avait déjà tenu la maison à l'aller. On aurait tenu la maison en 0-0, on aurait pu se dire là c'est... on est vraiment dans du bénéfice max. Là, on est dans du bonus pas mal. Oh, comment ça peut passer ça? Comment ça peut passer un truc comme ça? Ouais, ça va marquer ça. Bien joué la défense. Bien joué Ake. Ake il a bien contré. Il est salement fait par contre Ake. Allez Nardi, tu t'imposes dans ta surface hein garçon. Bien joué la défense. Bien joué Nardi, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir Nardi. Allez sur Abner là-haut. Je vois qu'il est un petit peu seul. Pas trop de temps pour te retourner garçon. Bien joué. Écarté en bas avant de se faire faucher le ballon. Quand même mal propre. J'aurais bien voulu un petit appel, Sandro. Ça m'aurait pas déplu. Allez, on va jouer sur le côté. S'arrête un petit peu. On joue dans l'axe. Oh non! Juste avant que je fasse ma passe, quoi. Il est là, le garçon. Il est là. Il est là. Non. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, allez, faut redescendre. Faut redescendre, les gars. Allez, Florenzi. Tu peux courir plus vite que ça. J'aime pas les passes comme ça qui devraient pas passer. Puis la couverture défensive, elle est ultra dégueulasse, là, les gars. Allez, c'est mal joué. Allez. Sur le côté là. Non. Ouais, mais ça a pas suivi. Ça a pas suivi. Non, non, il a pas frappé. Il a pas frappé ce con.
Je sais pas qu'est-ce qu'il a attendu, mais il a pas frappé quand. Il a pas frappé quand je lui ai demandé. Putain, court vite lui. Bien joué, Abner. Ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir, garçon. Allez, on l'a vu. Il est tout seul, Weiser. Il est tout seul, Weiser. On l'a vu, plein axe. Plein axe, la frappe. Oh, tu dois pas le rater, celle-là. Tu dois pas rater, garçon, ça. Tu dois pas rater, l'action était sublime. L'action était sublime, tu dois pas rentrer. C'est qui c'est sans... Tu dois pas rentrer. Tu dois pas rater. Oh, ça, c'était bien joué, ça. Tu dois pas rater comme ça, mon grand garçon, Sandro, là. Ah, t'as pas le droit, là. Tu vas perdre 3 points de général. Juste de suite, là. En faisant ton action pourrie, là. Parce que ça, tu cadrais automatiquement, là. Je suis désolé. Même si c'est un bon gardien en face. Putain, la talonnade, c'était bien vu, mais... C'était un petit peu tendu, quand même, hein. Pas non plus... Pourquoi j'ai autant de joueurs, là? Je suis pas en offensif, là. Pourquoi j'ai autant de joueurs de Benfica qui sont là? Allez, ça, c'est mal joué. On peut repartir. Ça va sortir, c'est pour nous. Allez, 82e minute, on aurait dû faire le KO, là. Là, on aurait dû faire le KO, là. Largement pu, on aurait largement pu mettre le deuxième, là. Non, un petit peu plus long, il l'aurait fait, Weiser, il aurait pu la récupérer. En tout cas, le mouvement de Weiser était pas mal. Putain, il m'a fait peur, lui. On perd pas des vieux ballons comme ça, toi. La frappe! Allez, Kurt! Peut-être la tête? Non. Natanaké de la tête. Abner, non, je te fais pas tirer parce que. Non, c'est pas pour là! C'était pas pour là! Si je dis vers là-haut, c'est vers là-haut! Je voulais Kurt là-haut, je voulais rejouer sur Kurt. Et de pas beaucoup en plus, hein, l'autre il venait tout juste de se replacer quoi. De pas beaucoup. Allez! 90e. Allez, on l'a vu. Oh, il est hors jeu, je crois. Dommage. Il est pas hors jeu de beaucoup non plus. Hein. Il est pas hors jeu de beaucoup non plus. Autant qu'il fasse la passe. T'es hors jeu. Allez, c'est fini là. Oh. C'est fini normalement, monsieur l'arbitre. Hein. Là, ça fait déjà longtemps que t'as sifflé là. Et là, il me siffle un penalty. Je serais totalement choqué là. C'est la victoire contre Benfica au match aller. Victoire 1 but à 0. Victoire importante. Et on aurait pu marquer 2 buts. On aurait pu mener 2-0. Ta gueule, Doyle. C'est pas le moment de me faire chier. Ton rôle dans le club, ton rôle dans le club, mon grand garçon, c'est d'éviter de m'emmerder. Fischer Martinez, Dillon, on va faire un petit changement alors. Doyle il se plaint. On va faire ça et on va faire ça. Non, même pas, non. Même pas. On va faire entrer Trifiro. Même pas Natanaké sur le banc quoi. Ouais, il a pas joué. En attendant, ils ont tous fait tout le match. Hein. J'ai même pas fait rentrer Seko Fofana. Hein. Ouais, ils étaient bien dans leur match. Donc, Chandler, carte de base, Jordi César. Ouais, c'est bon. On va faire simuler les autres matchs. Il y a deux matchs de championnat là. Dont on se contrefout totalement. Victoire 4 buts à 1. Doublé de Martinez. Martinez. Joueur blessé. Sélectionneur de Pays de Galles. Ça, c'est une nation intéressante. Récompense reçue. Manager du mois, tiens. Bien, la première fois que je reçois ça. Qui c'est? Dillon. Oh merde, encore Dillon blessé quoi. Prochaine période de transfert en mode toi gueule. Allez, il y a ce match là. Contre Derby City. Et Dillon qui est blessé. Bah tant pis. Hein. Pis pour lui. Hein. Il fallait pas être blessé. Hein. Du coup, je mets qui? Je mets pas certainement Paul Florenzi. On va mettre Seko Fofana, il va pas me le crever quand même, Seko.
Putain, on va même se payer le luxe de mettre Seiko Fofana titulaire. Te blesse pas, garçon, parce que là. Si tu te blesses, mon beau, ça va chier. Allez, on va simuler le deuxième match. Martinez, meilleur buteur. Ça finira par arriver. Victoire 3 buts à 2. Hein. Prend quand même des buts. Hein. Qu'est-ce qui est rentré? Mulroy qui est rentré. Fénon qui est sorti. D'accord. Qu'est-ce qui est suspendu? Brad Smith. Ok, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en contre-fou. Ah, bah ça va, il y a du temps de repos. Tout le monde va être impeccable. Impeccable pour préparer ce match retour contre Benfica, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Je rejette tout. Je vais rappeler en sélection. J'ai des joueurs appelés en sélection. Quasiment tous que des. Ah, si, quand même. Sur les 4, il y en a 2 qui sont à moi quand même. Hein. 3000 balles, j'ai gagné. Et j'ai gagné le match de coupe. Ouais. Alors. Non. On va attendre la fin des. Ouais, on avait vu. Daniel Potts, alors. Donne quoi, 63. Ouais. C'est pas excellent. Tu m'as trouvé un joueur. Il arrête pas de me trouver des joueurs. Mais... Faut que tu te calmes un peu, garçon. Tu te calmes. Une succession coach. Ouais, je sais. Il m'a pris pour qui, toi? Allez, on va jouer comme ça. Yassi, il a pris un point. Polas, il a pris un point aussi. Abner, il a pris un point aussi. Donc c'est très très bien. Et Nardi n'a plus sa flèche vers le bas. Allez, match retour à domicile. Le match qui va donner notre futur à Atlanta. Va-t-on rester après ce match? Va-t-on quitter le club pour aller vers d'autres horizons? Score du match aller 1-0. Donc on a l'avantage parce qu'on a marqué à l'extérieur. Mais eux, ils ont tout à marquer. Et ça sera pas bien compliqué de nous foutre des buts dans la gueule. Il faut être en forme, il faut se méfier encore une fois de cette équipe du Benfica. Ils vont venir avec l'esprit rageur. Affûté. Affûté comme des lames. C'est toi la lame. Donc il faut être encore plus affûté qu'eux. Il faut faire des appels. Des appels, voilà, exactement. Comme ça, c'est ça que j'appelle un appel. Oh, 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 c'est... Comment tu peux arrêter ça, bordel? Comment tu peux arrêter ça? C'est pas possible, regardez-moi ça. C'est Florent... Non, c'est Florenzi. C'est Sandro, encore une fois, qui s'est chié, là. Oh, dommage. Dommage parce qu'il n'y avait personne en premier poteau, c'est fini. Psychologie, psychologie. Ça marche. Mec, une équipe de merde, ça marche la psychologie. Ayazil qui fait la touche. On va jouer un peu plus sur le côté par là-bas. Allez, Florenzi. Le centre. La tête a eu le but. Et le but. Le deuxième but. Il est là. Ça fait le deuxième but. Le premier. Mais le deuxième. Au total des deux matchs. Il est là. Et c'est Sandro finalement qui marque. Salaud. Tu m'as raté un caviar en fin du match aller. Tu m'as raté un caviar au début du match. Et là ça y est. Il met le but enfin. Sur ce très très beau centre là. Très très beau contrôle. Et très très beau centre de Kurt. Il est pas mal ce Kurt. Et Julio César qui plonge en bas. Bien joué, garçon. Ça fait 2-0 au total des deux matchs. Il faut qu'il marque. Il faut qu'il marque deux buts et on est niqué. Voilà, simplement. Il faut qu'il marque deux buts et on est foutu. Donc on va essayer de ne pas en prendre deux. Allez. Voilà, la talonnade totalement incroyable. Le but. Et le but. Réduction de l'écart. 2 buts à 1, ça c'était obligé. Attends, j'ai essayé de couvrir les espaces, mais là. Le coup du. Le petit contrôle sur le côté là, alors que mon défenseur il passe. Bah, il passe à côté justement du coup. Voilà. La réduction de l'écart. Ça c'était sûr qu'on allait en prendre.
Monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre, il m'a touché le pied. Ça fait normalement, tu donnes un avantage pour ça. Tu donnes un avantage pour ça, garçon. Allez. Bien joué, ça c'était une très très bonne récupération. Non, cette, par contre la passe est dégueulasse. T'aurais dû plus la foutre dans l'axe, ta passe. Pourquoi vous êtes tant de joueurs à attendre là, quoi. Bien joué. Non. Tu peux pas mettre qui a faute, là. Bon, c'est dégueulasse mettre une faute, là. C'est totalement dégueulasse mettre une faute, là. Monsieur l'arbitre, là, faut arrêter, là. Ça veut pas dire que tu me sacs en championnat déjà de base, qu'il faut que tu me sacs aussi une fois que je suis chez moi en Ligue des Champions. Et c'est quoi cette passe là? Weiser, par contre, je le trouve franchement pas assez bon. Oh, ça sent la mauvaise passe ça. Non, mais c'est quoi ça? Mais putain, garçon, tu veux une pancarte pour faire une passe, bordel? Putain, t'es censé être un bon joueur quand même. T'es censé être un bon joueur, garçon. T'as pas le droit de me faire une passe sale comme ça, là. La frappe. Oh, comment tu me la mets pas, celle-là? C'est pas possible. C'était bien joué, en plus. C'était bien joué. Allez, faut remettre le troisième, là. Pour se mettre à l'abri d'un éventuel égalisation. Enfin, égalisation, je parle sur l'ensemble des deux matchs, hein. Yézil, Yézil, prends le ballon là. Réfléchis pas, tu prends le ballon là. C'est qui couvre là? Kurt là. Il faut couvrir un peu mieux que ça là. Il faut couvrir un peu mieux que ça. Et puis les gars là, putain, mais il est hors jeu lui. Carrément hors jeu il était, non? Je crois qu'on va passer un tout petit peu en défensif. Tout petit peu en défensif parce que je trouve que mes joueurs ils s'avancent trop. C'est le problème, ça, en fait. Hein. Ils mettent longtemps à s'avancer, mais une fois qu'ils sont devant, ils quittent plus devant. Ils n'arrivent pas à descendre après. Allez, Kurt. Kurt, tu es là. Oh, putain, non. Comment tu peux te faire prendre le ballon? C'est touche pour nous. De justesse. Par contre, si personne ne vient aider, on est bien dans la merde. Hein. La passe Abner, elle était un petit peu juste. Hein. Non, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Non! Pourquoi tu vas pas au ballon? Pourquoi il n'est pas couru vers le ballon? Allez, Yézil. Bon. Putain, je vais cramer tous mes joueurs. Hein, essayer de le contrer. Allez, c'est presque la mi-temps. Il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Allez, Nardi. Nardi, tu t'imposes là, normalement. Nardi, tu mets les points là. Tu cherches pas. C'est quoi ça? Comment le mec il peut anticiper la retombée de balle comme ça? Comment le type il pouvait anticiper la retombée de balle? Le contrôle de Yézil comme ça, quoi. Plus c'est pas comme s'il faisait un contrôle normal, quoi. Bon, ils sont tous dans le vert encore. Comment c'est possible ça? J'ai l'impression que vous allez avoir fait tous courir comme des dingues. Allez. On est en position de qualifier là. Donc on va pas non plus faire le con. J'aime pas quand ils font ça là, quand ils se tournent comme ça dans tous les sens. Là, c'est impossible de savoir où est-ce qu'ils vont aller. En plus, physiquement, tu peux pas leur faire perdre le ballon. Peu importe à qui tu. Oh non, mais ça normalement. Ça, jamais ça passe. Hein. Ça aussi, jamais ça passe. Ouais. Ouais, si c'est pour faire ça derrière, garçon, t'amuses pas. Hein. T'amuses pas dans la surface. Hein. Non, c'était pas pour là. C'était pour là. Eh, les gars, ça veut pas dire que je vous ai mis en défensif, qu'il faut tous se planquer derrière, là. Ça va On va se remettre en équilibré alors, parce que. On va pas se mettre en offensif, parce qu'on va pas s'amuser à jouer à ça, mais. Regardez, y a plus aucun appel. Plus personne qui veut monter là. Regardez, y a même plus. Personne qui fait le. D'appel dans le dos. Allez, merci, Weiser.
En même temps, j'attendais désespérément ton appel. La tête, non, pas la tête. Allez, à deux, là. Non, mais putain, mais, ça, c'est vraiment un vieux script de merde, ça. Toujours le ballon, il... Toujours le ballon, il passe entre les jambes de tes joueurs à ce moment-là. Toujours. Tu peux y aller. Hein. C'est pas du script, ça, quand même. À force, tes joueurs, ils sont censés savoir que le type, il va passer le ballon entre tes jambes, quoi. Et il fait toujours la même chose. Non, mais putain, mais... Yezil, il se fait totalement bousculer, mais non, ça, il n'y a pas de... Pas de faute, pas d'avantage, rien du tout. Alors que je fais la même, je suis sûr que je me prends une faute. Non, pas découvrir sa défense. C'est une très mauvaise idée. Non, c'est quoi cette passe de merde? Tu te fous de ma gueule? Allez, allez Yezil. Yezil d'un coup il n'arrive plus à courir. Mais c'est bizarre ça. Un peu comme Yezil, il n'arrive plus à courir d'un coup. Wow. Puis en plus tes joueurs juste après quand ils perdent le ballon, c'est de suite après ils réagissent pas vite en fait. Ils se replacent pas vite et tout, ils vont pas. T'as l'impression qu'ils ont passé de morale super cool à zéro. Bon, c'est quoi ce placement défensif de merde là? Mais moi je vois qu'il y a des gros trous qui se font tout seuls dans la défense là. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'ai la pression, oui j'ai la pression. Ah mes joueurs, ça y est, mes joueurs ils sont. Ils ont un petit peu la tête au fond du saut. Ils ont un petit peu la tête au fond du saut. Il va falloir tenir. Parce que là, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Il va falloir que je sois meilleur qu'eux. Allez. Allez. Non, mais tu te... Yezil. Yezil. Yezil, que je t'explique. T'es en situation comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pars comme un abruti? En position de hors-jeu. Regardez-moi, il était... Il avait une occasion en or. Et qu'est-ce qu'il fait? Le type, il va se planter derrière le dernier défenseur, quoi. Putain, mais... Juste pour ça, j'aurais quand même un joueur aussi bon que toi sur le banc, je te ferais sortir, là. Juste pour ça, là. Parce que ça, tu dois pas faire un truc comme ça. Jamais tu dois faire un truc comme ça. Jamais tu dois te retrouver en position de hors-jeu alors que t'as une occasion énorme d'aller marquer un autre but, là. C'est quoi cette passe là, Florenzi? Je crois que c'est Florenzi qui fait la passe. Une petite profondeur, c'est une petite profondeur, c'est pas une brique. Ouais, moi je récupère pas ça. Moi mes joueurs, bien entendu, ils ont pas les pieds assez longs. Deux fois de suite, ils ont pas les pieds assez longs. Et là, ça va faire trois fois de suite. Ils ont pas les pieds assez longs, mes joueurs. Bien joué ça. Allez, qualification. Qualification, quart de finale. De justesse, mais ça passe. De justesse, mais ça passe. Grâce au but à l'extérieur. Victoire de Dortmund. Ça va être chaud. Ouh, Barça éliminé. Barça éliminé. Putain, bah, ouais. Peu importe, il y a que des gros après contre moi. Il y a que des gros. J'ai tellement de bol que j'ai tombé sur Bayern. J'aime pas jouer le Bayern. 4 millions 7. Mon rôle dans le club. Oh, toi, ça va, tu vas pas te plaindre. Je dis que je ferai la différence. Non mais, non, mais tu vas arrêter d'être. Hein? Tu te calmes un peu. Il est pas mal quand même ce mec là. Le mec il dit tu te calmes un peu quand même. J'aimerais savoir contre qui on va tomber. Plus 9 ouais quand même. 66, ouais, il avait l'air pas trop mal lui. Après qu'est-ce qu'on a? Tiens lui il valait pas grand chose. Ah oh, putain. Il était sur le 14. Il valait pas grand chose au début. 73, il m'a trouvé, je sais pas, mes recruteurs ils se sont mis à me trouver des joueurs mais monstrueux. Un truc de dingue. Soixante-treize, soixante-quinze,
77, putain, en défenseur à gauche, ça aurait fait mal ça. Il a 22 ans, quoi, ça aurait pu me le prêter peut-être. Tiens, ta garde, j'aimerais bien savoir. Attends, c'est pas le même là. Non, c'est pas le même. Ouais, ça va, il m'a trouvé des joueurs honnêtes. Declan John, ouais, 66, ouais. Et après, je savais déjà le reste. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un vieux match de coupe. Oh, et on a le match. Bon. On va s'avancer. Est-ce qu'on simule le match de coupe? Oh, mais ta gueule, Doyle. Putain, c'est pas vrai, quoi. C'est ça qui t'amuse. Alors, Doyle, il est là. Voilà. C'est ça qui peut te faire plaisir. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'équipe B. Smith, il a un double jaune. Défenseur gauche. Donc, c'est lui qui va jouer. O'Brien, Gallagher, Fofana. On va faire jouer. C'est un match de coupe quand même. C'est quand même un minimum important. Et Doyle, t'es puni, Doyle. Ah, Fischer, il a pris un point. Est-ce qu'on le joue? Oh, on a le temps. Ouais, mais après, j'ai pas envie de me retrouver, tu sais. Non, allez. Ce qu'on va faire, on va le simuler. On va faire l'aller-retour de Dortmund. D'ailleurs, on a pris Dortmund. On a pris Dortmund dans la gueule. Donc, on va simuler le match. L'équipe, c'est l'équipe B, on est bien d'accord. Alors, le résultat, je m'en contrefous. On l'a gagné la saison passée, je me souviens plus. On n'a pas perdu en finale. Et bah quoi, tu viens pas de jouer? Ah non, il vient pas de jouer. Et du coup, de partout en coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé. Ah non, à rejouer. Ah d'accord, c'est à rejouer quand tu fais match nul. Bah d'accord, bah l'équipe B rejouera. Ça va être comme ça, l'équipe B va rejouer. Allez. Sélectionneur de Hongrie. Intéressant ça aussi, Hongrie. Allez, on va jouer ce match contre le Borussia Dortmund. Donc ce sera un épisode à 4 matchs. Eh, parce que tant qu'on est lancé... Ah, j'allais recommencer, mon équipe, elle est comme ça. Non, elle est comme ça. Bon, par contre, le banc, ça va... Ouais, Fofana est un peu fatigué. Ward, il a pris un point, quand même. Il faudrait que je le mette dans l'équipe B. Ça, c'est mon équipe Ligue des Champions. Ouais, Yezil qui prend un ballon de la tête. Allez, on joue à la maison. Ah, on joue l'aller à la maison, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je préfère jouer l'aller à la maison. Bon, on risque de prendre une grosse claque encore une fois, comme d'habitude. Faut espérer juste mieux jouer que les autres. Contre Benfica, ça a été chaud. Non, c'est pas pour là. Là, c'était pour là, pardon. Non, non, comment? C'était le gros bordel. C'était le gros bordel. C'était le gros bordel. Alors, on va faire l'appel du deuxième joueur parce que nous on est comme ça. C'est Nathan Ake en plus, le deuxième joueur. Le centre, peut-être le centre tendu, roulé, entre-roulé, triple roulé. Yezil, oh Yezil qui peut pas faire la passe. Yezil qui peut pas faire la passe. Non, il touche pas le ballon. Tu oses me dire qu'il peut pas toucher le ballon là? D'accord. Corner. Bon, c'est pas trop mal défendu. Bon, il faut éviter de prendre une douille. Hummels.
C'est contré. C'est contré. Allez, on subit la pression. Dortmund, c'est... Ouais, c'est quand même niveau équivalent de Benfica, quand même, à peu près. Un peu plus fort, peut-être. Ouais, ça doit être un peu plus fort. Benfica, c'est pas mal, déjà, quand même. Ouais, quart de finale, façon de Ligue des Champions, c'est déjà pas mal aussi. Même si là, on devait être éliminé. Pourquoi tu vas pas vers le ballon, Sandro? Il se fout de ma gueule, Sandro, en fait. Sandro, c'est l'arnaque. D'accord, toi t'es... Non ! Kania, tu me refais un truc comme ça, je te pète la gueule. Sérieusement, je te tue. Je te tue si tu me fais... Tu me retentes une talonnade comme ça pour faire la passe à ton collègue, en pleine surface. Alors que t'es dernier défenseur, je te jure que je te tue. Dis-moi que tu sors direct. Sandro, putain, mais Sandro, il est jamais dans le coup, quoi. Ok, il a marqué contre Benfica, mais... Je sais pas, moi. Yezil aussi, il a du mal, hein. Putain, j'aurais dû m'acheter, enfin, prendre un prêt. Non, il aurait pas voulu un prêt. Un petit Villalva, là. Ça fait bon, c'est bon, ça. Villalva. Après, on veut plus. Putain, Kurt. Je suis sûr que tu mets un petit peu plus d'engagement dans ton... Ça sort, ça. Un petit peu plus d'engagement dans ton truc, là. Je suis sûr que tu peux la prendre. Allez, on va passer en offensif parce que j'en ai marre que ça fasse pas d'appel devant. On l'a vu l'appel de Polas. Polas ? Pourquoi c'est Polas qui fait l'appel ? Il est où, Weiser ? Moi, quand je vois des trucs... Sérieusement, quand je vois des trucs... Attends, tu peux pas me cacher ça ? Comme ça, là ? Hop là. Respect. Respect. Putain. Comment tu peux bien timer une passe en faisant une passe comme ça, quoi. Tu vois rien derrière toi. Même pas comment tu peux savoir exactement où est-ce qu'il est le joueur, quoi. Ça l'a même pas, tu peux un peu même pas être précis. Allez. Ah, le salaud. Non, putain, l'autre il se retrouve devant, quoi. C'est mon joueur qui le pousse et comme ça il est bien devant tout le temps. C'est honteux, c'est honteux. Et ouais, vous l'avez pas vu le gros trou? Parce que même moi je l'ai vu le gros trou. Pleine surface, gros trou. Bon, on se fait un tout petit peu dominer. On va dire un tout petit peu pour rester gentil. Donc nous on est comme ça. C'est l'action-réaction, on passe en ultra off. Parce que si on se fait dominer, c'est pas normal. Enfin si, c'est normal, mais... Selon moi, il y a moyen d'aller faire quelque chose. On est à la maison. On a la confiance du public. Il est pas très nombreux, mais... On fait avec ce qu'on a. La tête, oh, le but. Comment ça, il est hors-jeu? Comment ça, il est hors-jeu? Ça aurait été beau. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, oui effectivement, oui. Vu comme ça, oui, effectivement. Ah, il était tellement bien placé. Je me disais bien aussi. Je crois qu'il y avait un en bas qui couvrait, en fait, c'est pour ça. Je croyais qu'il y avait un défenseur qui était en bas, qui était un peu plus avancé que nous. J'applaudis. J'applaudis pour ce geste technique sublime. La remise en touche façon stylée. Façon geste technique. C'est au moins un 4 étoiles, celui-là. Yezil, t'as vu vers quel côté tu m'as fait ton contrôle, garçon? Tu fais contrôle du côté du défenseur. J'ai l'air de dire, tiens, vas-y, prends-le. Damn, vas-y, on y verra que du feu. J'ai pas vu l'autre résultat, j'ai tellement appuyé vite. En fait, je m'en fous. Ils ont fait un remplacement à la mi-temps déjà. C'est-à-dire qu'ils sont pas satisfaits de leur match, mais... C'est quoi ces passes, les gars, là? Ça y est, on sait plus faire que des passes de bourricot, maintenant. Oh non, elle est un peu trop longue là. Oh, oh là 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 là. Tu te fous de ma gueule, Kurt. Tu te fous de ma gueule. T'es parfaitement placé là. Comment tu peux faire un truc comme ça? Le but, c'est pas shooter les pigeons. Le but, c'est aller shooter les cages. Faire trembler les filets. Ouais, ça.
Bien sûr, on peut pas le couper. Non, je voudrais sélectionner le milieu de terrain. Certainement pas ma défense. Ça, c'est le vieux piège. Oula, ce trou qu'il y a dans la défense. Putain, le mec, le ballon lui tombe dessus. Le type, on dirait qu'il a peur. Allez, je l'ai vu, moi. Oui, ça. Il est tout seul. Sandro, fait pas le con. Oh non, allez, pourquoi ça me sélectionne pas le joueur? Non, ça voulait pas me sélectionner, hein, Sandro. Ça voulait pas me sélectionner, Sandro, c'est dégueulasse, alors qu'il était à la retombée du ballon, quoi. Bon, après. Oh, putain. Il y a un trou dans l'axe, les gars, il y a un trou dans l'axe. Faites gaffe les défenseurs là. Je peux pas jouer tout le monde moi. Il y a une faute là sur mon joueur, mais non, il n'y a pas de faute. Sur l'arbitre, il juge qu'il n'y a pas de faute. On va voir si je fais la même sur, sur un de leurs joueurs. Je suis sûr que je fais faute. Attention, Weiser. L'engagement, Weiser. De l'engagement. C'est un minimum syndical l'engagement. Non, c'est quoi ça? Comment le type il peut embarquer le ballon avec lui comme ça, quoi? C'est improbable. C'est totalement improbable. Là, il m'a offert un caviar. Allez. On va faire un petit peu de changement. En fait, Florenzi, il est méga bon. Hein. 68. Florenzi, c'est vraiment un tueur aussi, hein. Il est vraiment énorme. Hein. J'aime bien parce que eux ils te font des passes, mais des trucs. Mais jamais ça peut passer, tu vois. Mais non, mais ça passe quand même. Là aussi, tu vois. Le type passe extérieur du pied, mais ça, tout le monde le fait ça. C'est pour nous. J'aime bien, enfin, je veux bien croire que je suis en offensif. C'est ça en fait qui est assez bizarre quand même. C'est que, ok, tu joues offensif, mais ça veut pas dire que tu veux que ta défense, il y ait plus personne dans ta défense quand même. Après, faut quand même voir différents niveaux. Faut quand même arrêter d'être con un tout petit peu. Yézil, Yézil, tu dois me le mettre ça. Yézil, tu dois me le mettre ça. Ça, c'était une occasion en or ça. Bien sûr, le vieux contrôle qui est pas bon. Et hors jeu, je crois. Je suis pas sûr. Et je sauf que j'ai aucun soutien. Ils sont tous de l'autre côté. Oh, c'était quoi ce bordel? Je crois qu'il y avait une faute ou un truc comme ça parce que tout le monde s'était arrêté un peu. Allez, Kurt. Allez, Kurt. Mais non, Yézil, il me fait pas un appel sur l'aile, garçon. Qu'est-ce que tu veux que je foute de ton appel sur l'aile? Non, tu dois pas te faire passer devant. Mais tu dois pas tenir un peu au physique, garçon. Tu dois pas, tu tiens pas, non? Toi, tu te laisses passer devant. Comment ça, c'est pour eux? C'est pas lui qui vient de le balancer en touche? C'est de l'abus. Pourquoi tu laisses filer le ballon? Il se passe des trucs un peu chelous, là. Ça. Il se passe des trucs un petit peu chelous. Allez, Kurt, Kurt, la frappe. Oh, c'est contré, corner. Voilà. J'étais en train de me dire, donc, que là, il pas me chier une vieille sortie de but. Oh, c'est trop au milieu, ça. C'est trop au milieu. Bravo. Ah non, mais je dis bravo la défense. Je dis bravo la défense. J'aime bien croire qu'on joue en offensif, mais quand même, faut quand même arrêter les conneries au bout d'un moment. Laisser des mecs comme ça tout seul. En plus, le rebond qui fait plaisir derrière. C'est fini, c'est le match nul à la maison. C'était équilibré, mais on a eu quand même des occasions ultra chaudes et c'est pas passé. C'est pas passé, il va falloir faire bien mieux à la maison, à l'extérieur. Weiser en du match, c'est bien qu'on a fait un match de merde. Ils ont sérieusement joué comme ça ?
C'est possible de jouer comme ça? C'est quoi cette compo ultra def là? Putain les mecs quoi. Ils étaient voilà, deux lignes de 4 derrière face à l'une des plus mauvaises équipes du jeu. Ouais, là c'est pas l'une des plus mauvaises, c'est plus maintenant mais face à Tom, les mecs ils jouent la défense à donf quoi. Moi je pense que c'était la compo en fin de match mais vous arrêtez de vous plaindre un peu là, mais vous êtes chiant. Hein. Putain, des... Je voulais pas le dire, mais des vraies femmes, quoi. c'est toi, c'est Ward qui se plaint, là, de pas jouer. Eh ben tiens, je te donne l'occasion de jouer, bordel. 64, il est pas mal, quand même, hein. Qui c'est qui m'a dit qu'il aimerait bien jouer, ça lui fera plaisir. Ah oui, c'est le... C'est l'Indien. C'est notre ami l'Indien. Il est où? Il est là. 57. Non. Je te fais pas jouer quand même. Si y a le match de coupe, ce serait bien quand même. Récompense reçue. Blessé à l'entraînement. Non. Non, t'es sérieux? T'es sérieux? Manager du mois, toi. Sur deux mois de suite, je l'ai eu. T'es sérieux? Non. Il va pas me faire ça. Le mec, il faut qu'il soit là pour un match dans toute sa vie. Et le mec, il se blesse au dernier match. Il se fout de ma gueule. C'est quoi ces joueurs en carton? Du coup, Seiko Fofana, tu joues absolument pas là. Tiens, c'est O'Brien qui va jouer, comme ça il arrêtera de se plaindre. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le banc? Sweeney. Voilà. Allez-y comme ça, les gars. Comme ça, si vous blessez, c'est pas trop grave. C'est bon, j'ai mis l'équipe là pour être sûr de ne pas me planter. J'aime pas simuler. Hein. Mais bon. Victoire de Buzyn, ils sont qualifiés, ça fait plaisir. Mais je m'en fous totalement. Notation compétition, c'est excellent. O'Brien, on s'en tape. Bon, on va devoir jouer sans. Matt Taggart, 65. 67 est pas mal aussi. Xavier Kocha. 73 de finition, c'est pas mal. Allez, on va faire ce match retour. Quart de finale retour, on joue Hard Dortmund. On n'a rien à perdre. Parce qu'on a fait, on va dire qu'on a fait ce qu'il fallait à l'aller. On va jouer en blanc. On va jouer en blanc pour leur faire peur un peu. On va jouer bien entendu avec l'équipe A. Et ça m'a automatiquement changé. Bah, c'est moi qui l'ai fait alors. Pourquoi Florenzi est encore pas bien? Merde, j'aurais pas dû faire jouer lui. Quel con! Trifiro. Si tu peux venir. Smith est déjà à 60 quand même. Hein. Salaud. Putain, le mec il se blesse quoi. Le mec il est match précédent. Ouais, faites-moi jouer, tout ça. Le type il se blesse à l'entraînement la semaine suivante quoi. Du coup, il joue pas le match retour. Sandro à 70. Kurt à 71. Weiser à 69. Kanya il a pris un point à 68. Ça fait plaisir. Allez, on va y aller. On va y aller, quatrième match de l'épisode. Ça passe, ça passe. Le stade est tout de jaune et noir vêtu. Le stade sera hostile face à nous. Mais ça, on le sait. On le sait que le stade sera hostile. On le sait que ça va être dur. On va devoir courir très vite. Mais... peut-être moyen d'aller chercher quelque chose. Peut-être. Petite boisson à la buvette. Petite boisson estampillée Dortmund à la buvette. Ou un petit maillot Ligue des Champions. Atlantone V6 Dortmund. Oh, c'était sale ça, monsieur l'arbitre. C'était sale. Non, c'était pas sale. C'était tout à fait propre. Mais... c'était manière de mettre la pression psychologique à monsieur l'arbitre. Putain, c'est le début du match des contres. Ça sort, c'est pour nous. C'est le début du match des contres.
C'est quoi cette passe? Comment tu peux me déclarer hors-jeu? Je n'ai pas touché le ballon. Et si Sandro ne touche pas le ballon, il n'y a pas hors-jeu. Je suis désolé. Allez, Fofana. Sois bon, mon garçon. Peut-être qu'un jour, je t'achèterai pour de vrai. Il est hors-jeu. Non, c'était pas pour là. C'était pour devant. Quand je te dis d'aller faire une passe devant, tu fais une passe devant. Tu fais pas de passe là-haut. Et combien vous pariez qu'il me la met entre les jambes? Oh non, salaud. Il suffisait que je dise ça pour qu'il ne la mette pas entre les jambes. Là, il va me la mettre entre les jambes. Non, il fait le petit centre. Ah, c'est lui qui l'a sorti. C'est lui qui l'a sorti, il l'a touché. C'est lui qui l'a touché. C'est lui qui l'a touché, bien joué Nardi. Allez Abner. Allez Abner. Qu'est-ce que tu fais Sandro? Sandro, tu me fais de suite un appel. Donne ton 06. Weiser, ça aurait été pas mal ton appel. Ton appel était intéressant. Je dois le dire, ton appel était intéressant. Malheureusement. Tu crois vraiment, tu crois sérieusement qu'en se mettant derrière un défenseur de Dortmund, tu risques de prendre le devant. Déjà, quand t'es devant, tu prends pas le dessus. Alors, quand t'es derrière, mon garçon, n'y pense même pas. Bon petit appel, Weiser. Voilà, bien, mon garçon. Oh non, comment tu peux rater ça? Weiser, comment tu peux rater ça? La finition, les gars, la finition. On se concentre, les enfants. Faites pas de conneries. Vous avez les moyens de faire quelque chose. Je vous le dis, vous n'êtes pas totalement des demeurés. Un jour, peut-être, vous réussirez à vous sortir les doigts du cul. Non, c'est quoi cette passe, quoi? Et puis regardez derrière, quoi. Je joue même pas en offensif et j'ai déjà plus personne derrière. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Regardez-moi ça. Regardez la vitesse à laquelle il remonte, quoi. Non, mais... Salaud! Ouais, la faute, carrément la faute. Allez, Weiser, un bon petit appel bien droit, là. Voilà. Allez, hop, on pousse le ballon bien fort. Bien fort. Allez, on a vu au second poteau. Au second poteau. C'est le bordel. Fofana. C'était pas mal, Fofana. Malheureusement, malencontreusement, j'ai appuyé sur la touche de lob. Sans faire exprès. Bien entendu. Parce qu'on ne fait jamais exprès. Par contre, on le veut bien. Du coup, on fait pas exprès. Allez. Tu peux pas me dire que c'est une frappe, une passe contrée, ça. Putain, le mec, c'est pas une passe contrée, c'est une brique contrée, ça. Il a fait un tir pour que ça fasse ça. C'est pour eux. Bande de salauds. Bien joué, Weiser. Ouais, mais non, mais jamais il va l'avoir. Enfin, peut-être pour ça qu'ils sont intelligents. Malheureusement, à la naissance, ils n'ont pas été dotés d'intelligence. On leur a tout donné. Des jambes. Un minimum de cervelle. Mais il manquait quelque chose. L'essentiel de la cervelle. La faculté de penser. Ce ne sont que des animaux. Fofana, pas mal. Par contre, les gars, dans mon contrôle, vous êtes encore très moyen. Très moyen. Ça manque de fluidité dans le contrôle. Comment tu peux me siffler à la mi-temps là, bordel? Je suis en train de poser mon jeu, garçon. Bon. Ça fait toujours 0-0. On est dans l'impasse. On va se mettre en ultra offensif. Parce que nous, on n'a pas peur. Même s'il faut se méfier de cette équipe de Dortmund. Mais on s'en fout parce qu'on n'a pas peur. De toute façon, on n'a rien à perdre. Puis, si on marque pas, on ira au prolong, on ira au tir au but, on ira à toutes les conneries que... Là, ce sale passe. Oh, j'en étais sûr qu'elle allait me faire une sale passe. Pas du tout comme je la voulais. Ça, j'aurais dû le parier, tu vois. J'aurais dû dire, je vous parie qu'il va faire une sale passe dégueulasse. Bien dégueulasse comme il faut, bien baveuse et tout. Non.
Putain, c'est pas vrai! Putain, mais tu vois, où est-ce qu'il l'a fait son tacle aussi, là? Putain, je lui demande de tacler, qu'est-ce qu'il fait? Ben l'autre, direct, il monte son pied, tu sais. Fait exprès, quoi. C'est fait exprès! C'est un complot! Comment les types, ils peuvent être quasiment tout seuls comme ça, là? Comment vous pouvez les laisser tout seuls? Vous m'expliquez comment c'est possible de laisser des joueurs comme ça tout seuls? Putain, les mecs, encore, ça serait des tanches, les types. Je veux bien les laisser tout seuls, mais là, c'est des mecs bons, quoi. Faut pas les laisser tout seuls, il faut les marquer. Allez, Yezil, c'était pas mal, ça. Ça manque de vitesse, un peu. Non! C'est quoi cette frappe, Sandro? Putain. Faut s'appliquer un peu, garçon. Hein. Sandro, il a du mal au niveau de la finition. Yezil, ça va, il est quand même assez actif et tout. Même si finition, j'ai pas pu trop constater si ça allait ou pas. Parce qu'il peut jamais vraiment trop tirer, tandis que Sandro fait pas forcément toujours où ça sent la mauvaise passe. Hein. Je sais pas pourquoi il est allé me faire une passe comme ça. J'ai demandé une grosse passe sur Kurt là-haut, mais il m'a fait une passe plein centre quasiment. Oh, Weiser, tu te fous de ma gueule aussi, toi. Putain, j'aime pas les gens qui se foutent de ma gueule comme ça. Quoi? Avantage? Et pourquoi avantage? Je joue pas le ballon, là? Monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre, t'as pas le droit de faire des trucs comme ça. C'est du favoritisme, hein. Comment ça, Weiser, tu perds le ballon, là? Comment tu peux perdre le ballon? Je demande un avantage alors parce que j'ai perdu le ballon. Parce que ça marche comme ça apparemment. Mais laisse le... Putain, mais on s'en fout qu'ils soient hors jeu, bordel. Laisse nous jouer, putain. Monsieur l'arbitre de merde. On a du mal. On a du mal à percer cette défense parce qu'il joue trop défensif. Carton! Carton, monsieur l'arbitre! Direct sur le carton, là. Non, 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 mais tu mets carton! Le mec, il dit non, non, arrête. J'ai pris carton pour moins que ça. J'ai pris carton pour moins que ça, il y a quand même des trucs dégueulasses. Eh bé, Florenzi. Quand tu dis tu fais une passe, tu fais une passe, tu cherches pas. Oh, avantage. C'est pas scandaleux ça? Allez, Nardi, tranquille. C'est pas scandaleux que l'arbitre lui donne un avantage alors que je touche à peine l'adversaire? Ouais, mais là ça manque totalement de mouvement en fait. Je trouve pas du tout mes joueurs. Parce que c'est normal, il y en a aucun qui est devant déjà. Ouais, mais. Non, mais tu. Je sais pas moi, tu fais une frappe en talonnade ou tu te démerdes. Mais pourquoi tu te retournes comme ça? Jamais je te demande de te retourner moi. Non! Vous avez vu en bas, il y avait Weiser qui était tout seul. J'allais lui faire la passe, mais malheureusement. Mais. Ouh, ça sent le but, ça. Ça sent le but, ça. Ça, ça sent le but, parce qu'on a... Voilà. Ça sent le but. C'est dégueulasse, c'est totalement honteux. Pas une seule seconde, il mérite de gagner. Là, on doit faire match nul, normalement, mais jamais on doit perdre. Jamais on doit perdre. Il était pas en jeu en plus. Il était pas en jeu. Jamais on doit perdre normalement là. C'est totalement dégueulasse. Là, je suis dégoûté. Je suis quand même dégoûté. Parce que là, il y avait clairement moyen d'aller chercher au moins le match nul et prolongue. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Pour moi, jamais ils auraient dû marquer. Je suis sûr qu'ils ont quasiment aucune occasion. Sûr qu'on a au moins deux fois plus que. Voilà, quasiment deux fois plus. Voilà. Normalement, on ne doit pas perdre. Si on a des meilleurs finisseurs devant, je suis sûr qu'on ne doit pas perdre. Fofana, ouais, voilà. Weiser, il aurait été un meilleur finisseur. Je suis sûr que là, on aurait pu gagner parce qu'à un moment, il a eu une occasion. C'était inratable. Un truc que tu pouvais pas rater. Et le type, il tire en plein gardien. Bon, que 1-0. 6-3.
le Manchester City, Manchester United. Putain, ce score. Bon, mais on est éliminé. Ça veut dire qu'on se casse. Ça veut dire qu'on se casse. Avec cette équipe, on se barre. Ah, je suis dégoûté. Je vends la dotation compétition. Je suis dégoûté. Franchement. Honnêtement. Dites-moi honnêtement dans les commentaires. Est-ce qu'on méritait pas au moins de faire match nul? Ouais, on a une dotation de 6 millions 5, c'est ça? Je sais même plus. 5 millions 9, c'est pas mal. C'est pas mal. On a gagné presque 10 millions en passant, en allant jusqu'en quart de finale. Donc on est revenu à 12 millions. Ce qui est totalement abusé. Regardez-moi un peu cette masse salariale de dingue. Pas augmenter tous les joueurs, semble. On va faire un recrutement de ouf saison d'après. Et on va regarder les offres qu'on a en Italie. Ouais, le problème, c'est tout. Que deux clubs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver un club. On va se trouver un club et on s'arrêtera une fois qu'on sera trouvé un club. Parce que moi, je peux me trouver un club. On va mettre Trifiro, parce que j'aime bien Trifiro. On peut pas mettre Brian parce qu'il est comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je suis totalement déçu. Hein. On va remettre Smith peut-être, parce que sinon on va commencer à râler. Nardi, il peut jouer maintenant. Parce que... Non, non, il va pas jouer justement. D'ailleurs. Florenzi est fatigué, non? Lui là, connard. Là. Même si Fofana était bon quand même. Fofana était bon, on peut pas lui dire grand chose. Hein. Il a fait son match, Fofana. Je trouve qu'il a fait son match. Pourquoi? Ah oui, O'Brien, putain. Ouais, j'aurais pu le changer de là-bas, ouais. O'Brien, je l'avais oublié celui-là. Trifiro. Je suis dégoûté. J'y suis dégoûté. Martinez, il a pris un point de plus. Il a 62. Pas fait de rapport d'équipe, tiens. Victoire 3-2. Suspension purgée. On s'en fout. On est déjà champion. Ouais, on a deux fois plus de points que le deuxième. Et on est aux trois quarts de saison. Là, on est en avril déjà. C'est fini, hein, c'est plié. Là. La saison est terminée déjà. Il n'y a plus rien, j'espère. On va voir si on a des nouvelles offres. Putain, c'est quoi ça? Faites-moi des trucs un peu plus intéressants là. Hé, hey, je suis quart de finaliste de la Ligue des Champions. On me propose que des clubs de merde. Sérieusement quoi. Je vais l'acheter, je vais l'acheter. 33 millions, j'ai pas les moyens. J'aurais pu, j'ai pas les moyens. Face à Drogheda. En championnat ce coup-ci, bah, c'est l'équipe A qui va jouer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et sur l'équipe B, ça va être Fofana qui va jouer. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a une flèche là-bas? Kanya et Ake. Ouais. Pff. Non, on peut pas leur. Ils devraient pas avoir de flèche vers le bas parce que. Bon, ils ont fait le match qu'il fallait. Hein. C'est juste que. C'est salaud, quoi. C'est salaud. C'est le but en contre, le vieux but en contre, quoi. T'imagines, tu vas jouer contre Dortmund avec une équipe de merde et puis ils jouent en défense, quoi. C'est honteux, c'est totalement honteux. Les types, ils jouent en défense. Même pas, ils essayent de jouer la possesse, rien du tout. Non, non, il joue en défense, le mec. Dans ton jeu, merci, coach. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on a des offres. Australie. Non, pas Australie. Pas Australie. Il n'y a que d'Australie. Mais c'est quoi ces offres de merde? On va arrêter là, la simulation. Et on va regarder. Qu'un seul.
Alors, se qualifier en Coupe d'Europe. Salaire proposé 5 000. Ils sont 8e. Norvège. Non. Non, pas Norvège. On va aller jusqu'au match là. 23 avril, il serait temps quand même de changer de club. Au Danemark. Être sacré champion. Ils sont combien? 4e. Ça va être un peu tendu, le sacré champion, garçon. Il n'y en a que deux, putain. Finir bien classé. Danemark. Brondi. Alors, comment ça joue? Oula, c'est une compo chelou, ça. Il est centraux, il y a deux BU. Un milieu offensif, un milieu gauche. Oula, c'est bizarre, ça. On va pas postuler. Pourquoi? Ah, bah d'accord. Pour le prochain match, super. Je crois qu'il me disait sur la prochaine période des transferts. Direct les mecs. Direct le mec, il est pas content. Simuler le match parce qu'on s'en contrefou. Maintenant, on s'en contrefou. Au début, non, mais maintenant, on s'en contrefou. Merci, boss. De rien, ça fait plaisir. Il est pas meilleur buteur d'ailleurs, Martinez maintenant. Non, c'est toujours Mulroy. Martinez, 11 buts, c'est égalité. Égalité avec Mulroy, égalité avec Fischer. Il remonte. Il va finir meilleur buteur. Je vois qu'il marque pas mal. Oui, on cherchait un club, bordel. Portugal. Ah, Portugal. Pas mal, Portugal aussi. Un truc sympa quand même. Un truc qui a un petit peu de budget. Apparemment, il n'y a pas. Un truc qui a un petit peu de budget quand même. Au moins quelqu'un qui. Quelqu'un. Au moins quelqu'un. Au moins quelqu'un qui essaie de jouer le. Qui essaie de jouer la Ligue. Des... Enfin, pas la Ligue des Champions, mais au moins l'Europa League. Quoi. FC Ruka, ils jouent sans attaquant. Ils ont quasiment le même logo en plus. Finir en milieu de tableau. Non. Alors, qui c'est qui joue ce que si? Chez moi, c'est comme ça. C'est un coup, c'est un qui joue, un coup, c'est l'autre. Allez, c'est l'équipe A qui va jouer. On va arriver à la fin de la saison. Victoire 5-0, putain. Triplé de Sandro. Arrête ta simu. Merci, coach. La prochaine période de transfert. Ça va, mais ils arrêtent pas de se plaindre. Mais on se calme, les gars, là. Ils sont chiants, hein. Des vrais gamins. Colombie, non, pas Colombie. Putain. Tu peux y aller, là. Je veux pas avoir une seule offre qui est intéressante, quoi. Notre sacré champion, t'es 4e. Et y a que ça. En Norvège. Il y a un peu plus de budget. Allez, au moins une équipe avec un bon million de budget, tu vois. Les îles 70. Florenzi 68. C'est bien ça. Bon, on va encore simuler. Sligo Rovers, une des meilleures équipes. Donc on va faire jouer l'équipe. L'équipe A. Hein. Une des meilleures équipes de cette ligue, à part nous. Et normalement ils vont les défoncer. Hein. Ah non, victoire 2-0 du Sligo quoi. Ah bon. D'accord, le type il me donne 200 000 alors que j'ai jamais une seule seconde besoin de thunes. Putain, ils sont comme ça les CA maintenant. Ils te donnent des thunes alors que t'en as pas besoin quoi. River Plate. Ouh, River Plate Boca Junior. L'anus, j'allais jouer à l'anus. Non, j'ai pas envie de jouer en Argentine.
Putain, même si c'est intéressant, Boca et River Plate. Non, mais après ces calendriers inversés là, c'est gros bordel. D'ailleurs, en plus, c'est totalement jouable en étant. Parce qu'ils sont. On est quoi? On est en mai, ils sont que presque à la mi-saison, donc c'est totalement jouable leur objectif. Hein. Ouais, mais non, Boca Junior, non. Vieux match de coupe, donc on se contrefout pareil. Alors c'est pas mal, mais un petit peu plus, tu vois. Putain. Eh, on va pas trouver d'équipe avant la fin de la saison. C'est pas possible, ça. Simuler le match avec l'équipe A, parce qu'on n'a pas forcément envie de perdre non plus. Et pas non plus trop con. Un partout. Victoire au tir au but. 5 tirs au but à 4. Dotation compétition. Génial, à 50 000. Ah d'accord. Ah c'était pour gagner la coupe. Autant pour moi. J'aurais pu jouer. Mais non. Corée du Sud. FC Séoul, putain, mais... Ouais. Non, ça m'intéresse moyen. Ça m'intéresse moyen, l'Amérique du Sud. Et il va y avoir encore y avoir que ça, quoi. La saison est finie, d'ailleurs. La saison est finie, donc il faut vite se trouver un club, sinon on va être niqué. Fuck. Déjà, on est niqué. Récompense reçue, manager de l'année. Bon, fin de saison, superbe saison, ça j'espère bien. C'était une belle aventure, on a tout gagné. Enfin, tout gagné. Pas la Ligue des Champions, bien entendu. Mais... Bon, on est niqué, on pourra pas changer de club. Fait chier, quoi. Par contre, là, je pars. Hein. Je refais pas une saison encore entière à Athlone. Hein. C'est quoi ce budget, quoi? 22 millions, quoi. 22 millions et 110 millions d'euros de... N'importe quoi. Putain, ça me fait... Franchement, ça me fait rigoler, quoi. Quoi. 110 000 euros de salaire et 22 millions de transferts. Pas, y a pas de... Ah si, y en a. Putain, mais c'est quoi ces clubs de merde? Ah, pourquoi la saison s'est arrêtée en fin mai? Pourquoi la saison s'est arrêtée en fin mai? C'est bizarre, ça. Danemark, Superliga. J'aime bien le logo. Le mec, je marche comme ça, moi. Je connais pas l'équipe, hein, mais j'aime bien le logo. Finir bien classé, donc fini 109e, la saison est finie. Non, la saison est pas finie. Si. Pas des masses de budget. On va attendre un peu. On a un méga gros budget, mais le budget est totalement overcheaté. Ah! Voilà des choses intéressantes. Eh ben voilà! Il fallait attendre un peu. Valladolid. Liga Adelante.
Ils sont quatrième. Être sacré champion, bah déjà, vous l'avez sérieusement dans le cul. Las Palmas, être premier automatiquement, septième, c'est foutu. Et même pas, il me proposerait un club qui a un salaire digne de ce nom, quoi. Même Valladolid, il me propose pas plus que 5000, quoi. Là, c'est des vrais bâtards, hein. Valladolid, c'est pas mal, mais j'ai peur que ce soit trop fort par rapport à la Liga. Le mec, il se fait chier. Allez, une première division, ça serait bien, une première division. C'est pas trop demandé, quand même. Un club pas trop fort de première division, c'est pas trop demandé, quand même. Après, faut pas non plus déconner, quoi. Il y a les trucs, voilà, il y a quand même des trucs un peu moins dégueulasses qu'avant. Le jeu, il en a marre. En Suisse, tiens. Vaduz. Je connais pas Vaduz, j'ai jamais entendu parler. Ils ont plus de budget. Croc City, non, jamais. On reste pas en Irlande. Tout, mais pas l'Irlande. On va encore attendre un tout petit peu. Quelques jours, stop. C'est le jeu, il est en plein cul. Arrête de venir dans ce putain de... Oh, la MLS, tiens, c'est pas mal la MLS. Je suis pas d'Amérique du Sud, mais la MLS, ça me dérange pas, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime pas trop les calendriers décalés, mais... C'est quoi l'objectif? Atteindre le quart de finale de playoff? Je serais bien chaud pour Montréal. Je salue nos amis canadiens, en passant. Je serais bien chaud pour Montréal, tiens, pourquoi pas? Un postulé, tiens. Jeune entraîneur, avec expérience... de Ligue des Champions. Allez. Allez, pour 5000 balles toujours, oh, c'est dégueulasse, vous voulez une augmentation de salaire, bordel. Allez, on va partir aux States. Non, pas aux States. C'est pas vraiment aux States, puisqu'on est à Montréal. Donc on n'est pas vraiment aux States. Mais on va partir en MLS. C'est ça qui est important. On va partir en MLS. Le championnat décalé. Le championnat de merde. Non, pas de merde, mais... On est actuellement 9e de MLS. Ah, on est carrément dans la merde, alors. Ah, j'avais jamais joué en MLS. Il y a deux conférences comme au basket, tout ça. Ah bah, sacrément dans la merde, alors. Il va falloir se ressaisir un petit peu. Présentation du réseau. Ça va, je sais comment ça marche, maintenant. Une mise, une saison pleine de réussite. Atteindre les quarts de finale, oui, oui, mais on va essayer. J'ai quelques recruteurs. Alors, on va se... Déjà, il y a un peu de budget, ça fait plaisir. En plus, on arrive juste avant une période de transfert. On va prendre connaissance de l'équipe. Ton âge, garçon. 23 ans, c'est très bien. 32 ans, c'est très vieux. Non, mais on... Combien de... 26, suffira. Duka. C'est bien. En plus, vous êtes polyvalent, les gars. Ça fait plaisir. J'aime bien sa photo. Kos, 26 ans, c'est pas mal. Ah, ok.
Ok, Miller, ils sont plutôt des joueurs offensifs, c'est ce qui est bien déjà. Oula, par contre le banc. Oh si, ça va. De quel âge toi? Je viens de te propulser titulaire. Garçon, tu vas faire titulaire dans la saison. C'est pas beau ça? Il est pas bien le nouvel entraîneur? Il est pas bien? Hein? T'es pas content d'avoir changé d'entraîneur? T'es pas content d'avoir changé d'entraîneur, garçon? Hop, on va faire des petits changements. Je vois qu'on a du mieux sur le banc, mais il est plus vieux. On a un Lopez qui a 29 ans. Putain, fiché quand. C'est quoi ces joueurs de merde? 62. Ouh, on a un milieu gauche à 73 et il passe sur le banc. Ouais, mais il a 31 ans. Bordel. Tu peux jouer quoi d'autre? Milieu offensif. Très bien. Je t'annonce que je te garde. Putain, mais c'est quoi ces joueurs quoi? 64. Pourquoi il y a un jeu. Gardien à 64 sur le banc. C'est quoi ces vieilles. Ils ont des regen. Des vieilles daubes. C'est des regen quand même. C'est des vieilles daubes. C'est vraiment. Putain, mais ils ont pas d'effectifs. Ferrari. 36 ans. D'accord. Putain, j'étais propulsé en maison de retraite quoi. C'est méchant de dire ça quoi. C'est méchant. 34 ans mais putain mais. Pas la gueule d'avoir quelqu'un qui a 61. Toi tu as combien? Qu'est-ce que tu fais sur le banc toi? De suite tu t'en vas du banc. Tu t'en vas. Même pas tu cherches. Déjà il va falloir chercher un attaquant. Parce que si on en a un qui se blesse on est sacrément dans la merde. Parce qu'on a que Jackson Hamed. On a même pas. On est obligé de jouer avec une seule pointe. On a que deux attaquants. C'est quoi cet effectif? Après, il s'étonne d'être mal classé, quoi. En même temps, pas non plus s'attendre à grand chose. Hein. Le défensif, Philippe, MOC. Douka, tu peux jouer MOC. Mon grand garçon. On va changer un peu les choses dans cet effectif. On va jouer comme ça. Toi, t'es qui, toi? Non. Toi, t'es le monsieur qui joue sur le côté, on est d'accord. Tu joues à gauche. Tu vas aller jouer à gauche. Toi, tu joues milieu défensif. Toi, t'es le vieux garçon. Donc tu vas pas faire ça, vous allez faire ça. Felipe. Tu joues milieu offensif, Felipe. On va mettre Luca et Felipe devant. Voilà. Felipe pas gardien. On va dire que Bush. C'est un signe. Il s'appelle Bush. Voilà. On fait un petit peu de tri. Et je sens qu'on va avoir du travail au niveau du recrutement. Buteur rapide, prolifique, patte de velours. C'est quoi ces instructions de merde? Ouais, non, mais moi j'arrive, je fous le caca de suite, moi. Déjà, tu vas en Argentine. Je sais pas qu'est-ce que tu vas chercher encore, mais. Rapide prolifique, ça va très très bien. Digne de l'équipe, tu peux virer patte de velours. Non. Tu peux virer patte de velours, garçon. Digne de l'équipe, ça je veux bien. Contrat, âge. Ah, 24 ans, c'est très très bien. Buteur digne de l'équipe. Oui. Un gardien. Gardien digne de l'équipe. Ça me ferait très plaisir aussi. Plutôt jeune. Rapide, prolifique. Tout poste digne de l'équipe. Ajouter une nouvelle attribut. On va te mettre un digne de l'équipe. Tout poste. On est de 23. À 25 avec moins d'un an de contrat. Voilà. Bon. Allez, on va enfin s'arrêter là. On va entrer dans la période de mercato en plus. C'est parfait, disons. J'arrive dans l'équipe, j'arrive au mercato. Cette équipe était faite pour moi.
C'est quoi ces agents libres là? Bon, on a foutu la merde à Tlontown et on s'est barré. On a claqué la porte. Non, on n'a pas claqué la porte, on va pas dire ça, mais. Quand le jeu aura fini de charger, hein. S'il te plaît, le jeu. Merci. Joueurs, tu m'as trouvé, putain, mais t'es rapide, toi. Ah ouais, mais d'accord, mais t'as des vieilles instructions de merde, toi, non? Attends. Ça, par contre, c'est intéressant. Intéressant le garçon. Comment ça se fait que j'ai beaucoup de stats sur les joueurs là? Ils sont pas en prêt que dalle? Non, non. Un BU. Fabian Castillo. C'est un AG, mais il a quand même une belle finition pour un AG. C'est, ça fait un peu cher tout ça, non? Ça fait quand même un petit peu cher. Je voudrais bien un personnel occupé. Comment ça, personnel occupé? Buteur digne de l'équipe. C'est quoi celui-là? Non, mais là, ouais, sorry, il a 31 ans. Lui, il a 23 ans, ça va bien ça. 26 ans, c'est bon. On va pas non plus trop se faire chier avec les âges, mais. Il n'y a pas de gardien qui. Ouais, faut que je regarde dans leur réseau de recrutement. Dans les instructions. Buteur, ouais. Modifier instruction. J'ai pas non plus trop des papis. Pas déconner. Allez, 26 ans maxi. Un buteur digne de l'équipe. Allez, modifier instruction, on va jusqu'à 25 quand même pour un gardien, pas déconner. Et voilà, bon, on va enfin s'arrêter là. Il y a des trucs intéressants quand même. Hein. Et il y a des trucs intéressants. Donc voici notre nouvelle équipe, l'Impact Montréal. Voilà, notre but est de nous qualifier pour les playoffs, c'est-à-dire être dans les 5 premiers, on est 9e, on est avant-dernier, on est bien dans la merde. Mais c'est pas grave, on aime ça, nous, la merde. Il y a beaucoup de matchs encore. Oh ça va, on a l'occasion de remonter là. Et oui, mais c'est là où vous allez avoir l'occasion de voir que quand on est derrière, c'est toujours plus difficile de remonter que quand on est déjà devant. C'est logique, mais en même temps. Bon, voilà, on va s'arrêter enfin ici pour cet épisode. Donc le prochain épisode, on ne sera plus à Tlontown, on sera à l'Impact Montréal parce qu'on y est déjà. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette carrière de manager sur FIFA 15, maintenant avec l'Impact Montréal. Allez, ciao!